Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. J'ai oublié quelque chose ici. Ah bah cool. Aujourd'hui, nous allons voir le tournoi Ray, le premier jour, et voir qu'est-ce qui en découle. Ma défense n'a pas encore été prouvée, c'est normal, ça fait à peine 1 heure que le tournoi a commencé. Nous allons commencer incessamment sous peu, de suite. Pour commencer, nous avons un Franz, alors qui peut être pas tellement casse-pied, mais vu que t'es en très lent. Et que j'ai 0 rouge, peut-être que je vais pas t'en souffrir. Alors déjà de base, on va tout enlever. Non, toi tu dégages, on va prendre sur le principe que je pourrais mettre ce Mister là. Avec ce Mister là. Avec ce Mister là. Suivi de cette Miss là. Et cette Miss là. Est-ce que je mettrais plutôt un duo bleu? Et si je mettrais un duo bleu, quel serait le deuxième bleu? Oui, non, 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 je vais rester comme ça. Mon but est d'acheter vite à France, que si je l'achève pas, je vais prendre Gavet méga super cher. Donc je pense que je vais rester tel quel. Oui, je vais rester tel quel. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti. Première attaque. Ok, alors c'est ça pourrait être pire. J'ai quelques trucs. Mais si je suis déjà en pénurie de rouge et que j'ai pas de jaune et que j'ai très peu de bleu, là par contre, ça va vite être problématique. France qui se chauffe beaucoup trop. Si je... Ah, mais j'ai ma Sonia. Nickel, parce que ça se purifie les négatifs, non? Yes, nickel. Ah, bon, ben, ça va. Je suis pas si mal parti que ça. En fait, j'ai bien fait prendre Sonia. J'ai pas calculé que ce serait peut-être pour ça, mais en fait, j'ai très bien fait de prendre Sonia. Voilà, nickel. On n'en parle plus. Bon, ça va. Enfin, ça va, ça reste relatif. Là. Nickel, et un problème de moins. Je prends beaucoup trop cher. Et je n'ai rien pour enlever leur effet positif. Ça, par contre, ça peut me faire très mal. Là, du coup, avec l'attaque, il va me one shot ou me louper. C'est presque obligé. Oh, purée. Oh, aïe. Oh, oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait mal? Ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Aïe, purée. Dommage, purée. Ah là, c'est dommage. Oh, 38 au moins un. Je pourrais au moins tuer un de plus. Yes, fait un peu plus de points, c'est déjà ça. Ah, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais dû avoir quelqu'un pour enlever les positifs. Là, j'ai mal calculé. Là, c'est de ma faute. Très mal joué. Alors ici on a négatif, 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 négatif. Et des buffs, les effets positifs. Ok, donc là du coup on va garder Sonia costume dans tous les cas. On va mettre un double cette fois-ci. Donc on va dire au revoir à Brume. Et on va mettre Boril de toute façon. Hop, vu qu'ils sont tout que des bois en face, des petits renvois, ça sera pas de refus. Et encore une fois, j'ai beaucoup de verres. Hein. À chaque fois, ils me narguent avec les verres. Il suffit que j'en mette aux prochaines fois, et là, c'est sûr que j'en aurai pas. À coup sûr, c'est ça qui me fait, c'est ça qui va arriver. Ok. Hop là. Hop là. Ah, dommage, j'aurais voulu que le diamant se fasse après avoir joué au Wukong. Bon, tant pis, je peux pas tout avoir. Alors, petit Jean, tu dégages. Je tiens pas ce que tu débuffes ma génération de mana. Ensuite, on va dégager Gormek avec Gormek. Voilà. Quand même, qu'à faire crack badaboum. Purée, magnifique.
Voilà, et au final, une victoire qui était beaucoup plus facile que la précédente, purée. D'autres mouvements, ça s'est plié. Tac, 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 et c'est fini. Ok, ça c'est fait. Ensuite, négatif, négatif. Alors, par contre, je vois pas pourquoi t'as mis le costume. Ça, par contre, je trouve que c'est très très bête de sa part. Mais vachement bête. À part qu'il voulait du coup le mettre en classe paladin, parce que du coup en classe combattant il sert pas à grand chose. Bon, le problème c'est que lorsqu'il est en classe paladin, ça c'est et aussi moins intéressante. Donc, je pense qu'il a voulu bien faire, mais dans un costume comme dans l'autre, sans plus. La même réflexion, je vois pas pourquoi du coup il a mis ce costume, que ce costume en manque moins d'attaque que l'autre, mais je pense pareil que c'est pour la classe, vu que là il est en classe moine. Il apparaît dans un costume comme dans l'autre, je serais un peu mitigé pour savoir quel est le mieux. La même réflexion la dernière fois, c'était, en soi c'est bien, destructeur de sbires, mais ce problème c'est quand. Qu'est-ce que j'allais dire? En 4 étoiles, il n'y en a pas des masses qui font des sbires, donc c'est assez. Plus psychologique qu'autre chose. Et par contre, toi avec méga défense, tu vas être casse-pied. Je vais mettre son. Quoique, attends, une seconde. Du coup, négatif, négatif, positif, négatif, positif. Alors, deux positifs et deux négatifs. Du coup, ça peut être autant l'un comme l'autre. Plutôt partir sur celui-là. Son équipe qui est presque full paladin, c'est assez incroyable. Non plus que si Megormek lui m'attaque, il pourrait se prendre. Enfin, il ne se serait pas levé dans tous les cas, mais il tuerait mon sbire. Donc, je préfère être paladin à l'occurrence. Une équipe qui est presque full paladin et c'est parti pour les full détruire. Ok, on a déjà pas mal de bleus, ça fait plaisir. Voilà. Nickel, comme ça on a aligné 3 bleus. Il soigne pas, donc c'est pas si grave que ça. Hop, on ne parle plus. Du coup ensuite. On va continuer le trou. On va je fais Gormek costume. Voilà. Ouais, j'ai pu faire le renvoi juste avant, ça aurait été excellent, mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. Voilà. Bah du coup nickel. Là du coup on voit qu'il a 239 de défense en plus. Là du coup il va avoir l'infini négatif. Et ce qui fait que du coup le moins 20, plus 25 plus le moins 20, ça en fait ça s'annule. C'est ça que je trouve cool avec la classe de paladin, que du coup sa classe peut venir en soi, peut venir parer le négatif qu'il a en faisant sa compétence spéciale. Ça que je trouve qui est assez cool. Hop. Hop. Mange-toi ça sur le retour. Tac, tac et tac. Alors je pense que Utao il va largement mourir avec les tuiles, je pense. Enfin avec les renvois. Oui, large. Là. Là. Et on n'en parle plus. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, c'était. Okay, ça me plaît pas du tout par contre. Je pense que là, il l'a mis pour sa puissance, pour la CS, mais sinon, c'est pas grand-chose. Moi, je suis pas forcément pour, en tout cas parlant pour moi. Là, par contre, un duo vert serait plus intelligent, parce que du coup, je serais fort contre les bleus et normal contre les verts. Et mon problème, c'est qui est-ce que je mets en duo vert? Je peux mettre Kid Skull avec Almure, éventuellement. Pense que c'est tout. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai quelques bleus. Purée, ta méga défense, toi. Hop. Et ça, c'est quand je mets du vert que les verts disparaissent et que j'ai du rouge. Le jeu a beaucoup d'humour en mal.
Là. Là, j'ai pas de bleu pour enlever, par contre, l'effet positif. Et là, par contre, je vais prendre gavé cher. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, pas bon, pas bon du tout. Pas bon. Il me reste encore un tour. Les trois verts, je pense pas que ça va le faire. Non, loin de là. Oui. Purée, 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 purée. Il faut que je l'achève. Il faut absolument que je l'achève. Je commence à être en situation très, 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 très critique. Oh non. J'ai pas le choix, si je le fais pas, il va achever tout le monde. Donc là, j'ai du coup, bah, Wukong, bah, Kamikaze, sacrifie-toi. Et voilà. Hop. Peu ce qu'il discute, je pense qu'il est mort, parce qu'il a pas une grande défense. Oui, voilà. Ouf. 13 points de PV, 46. Soyons intelligents. Alors, si je fais ça. Non. Mauvaise idée. Là j'ai le jaune. Suffisant pour l'achever. Yes. C'est déjà ça. Bah, je pense que c'est fini. Je pourrais difficilement faire mieux. T'es purée, c'est quand j'enlève le rouge que j'ai beaucoup de rouge. Ça par contre c'est rageant. Bon. Encore le sanglier. Genre ce que je vais faire. Je vais mettre brume. Comme ça. Soit je peux l'enlever, alors je peux lui bloquer. Du coup, avec le jaune ou le bleu, j'ai deux axes pour empêcher la catastrophe. Donc c'est pas une si mauvaise idée. Là. Là. Encore du jaune. On va continuer sur cet élan-là, on n'était pas si mal. Aïe, 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 aïe. Ça semble pas bon, encore une fois. Décider de faire des gens au moins, ça c'est fait. Et encore une fois, j'ai de magnifiques trucs rouges quand j'ai pas de rouge, c'est pas croyable. Alors, oh, je peux pour là, je fais 49 PV. Allez, j'ai 3 jaunes, on y croit. Oh yes, c'est bon, j'ai échappé à la cata. Ça aurait vraiment pu être pire. Ok, alors du coup, on va calmer ce goat de droite. Là. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est bon. Bon, c'est bon. Une bonne chose de faite. 60 CPU, même si j'aurais dans le pire des cas un pire puzzle, tu pourrais mourir avec le parti du renvoi et le poison. Bon, voilà, parfait. Ok, alors c'était pas top, top non plus. Alors la première attaque, c'est ma faute, j'ai mal calculé. La deuxième, quand j'ai mis du vert, j'avais que du rouge, alors qu'avant, quand j'avais que du rouge, j'avais que du vert. Donc le jeu s'est très clairement moqué de moi, mais bon, c'est qu'un détail. Deux défaites sales, pas très sales, mais sales. J'ai quand même essayé de grignoter quelques points. Mais encore une fois, j'aime pas beaucoup commencer avec deux défaites. Là, je suis top 10, bien top 10. Je suis loin du reste. Donc, espérons que j'aurai plus de chance dans les jours à venir et surtout que ma défense tienne le coup. On verra bien tout ça. Et bien, sur ce, je vous dis à très vite et bonne journée à vous.